À côté, on dirait un petit poids, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. La différence de gabarit, ça, c'est énorme. Oh putain, c'est impressionnant. La vache. On dirait une voiture de nain à côté. Oh putain. Eh, mais c'est comme entre les deux mini, hein, la mini ancienne et la mini nouvelle, c'est pareil. Oh la vache. Ah ouais. Ah, le machin, c'est un monstre, la mini nouvelle, quoi, à côté. Je pouvais mettre l'Alpine dans toute sa 406. Ouais, c'est ça. Mais tu te dis, mais comment les gens ils font pour rentrer dans un truc pareil, quoi? C'est tout petit. Ouais, quoi. C'est vrai. Son contorsionniste, je parle. Ouais, c'est ça, de voilà. Plier un peu. Ah non, là, ça m'a fait trop rire. Quoi. Il prend le mode d'emploi, il se plie, hop, ça y est. Voilà. Mettez les jambes derrière la tête, hein, nickel. Posséder une Alpine, il faut que t'aies une part dans le circuit du soleil, je pense. Hein. Ouais, je pense. Ah oui, elle fait la gueule, hein. Elle a morflé, hein. Comment elle est oh l'avant. Oh la. Ce qui est bien au moins c'est qu'il y a cette couleur, elle passe pas inaperçue. Hein. C'est plus une voiture, c'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art contemporaine. Il s'applique en plus. Hein. Et les bagnoles, il a fait une bagnole du Mans, mais version Warhol. Ouais, c'est ça, ouais. Mais en fait, le pire, c'est que maintenant, il a une voiture carrément, il n'y a plus d'angle droit sur la voiture. Quoi. C'est... Oh, c'est fini, là. Oh,